Coucou guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait hyper longtemps, depuis la dernière fois à Marrakech, j'ai pas tourné. Entre temps j'étais malade, j'étais fatiguée, j'avais la flemme et tout, c'était pas trop la forme. Mais là je me reviens en force. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, guys, on va partager la fête de la Tabaski ensemble. Pour la charité, on a été ensemble. Je vous ai montré par rapport aux préparations, par rapport à la nourriture, la cuisine et tout ça. Alors pour la fête de la Tabaski, bien sûr, on va avoir un peu de préparation, de nourriture, etc. Mais j'aimerais plus vous faire vivre l'ambiance de la fête. Alors sur ce, je vais plus montrer l'ambiance des gens autour. Ensuite, cette fois-ci, guys, je vais faire de mon mieux pour m'apprêter, me faire un peu belle et sortir quand même. Alors vous allez me suivre tout au long de cela. Alors pour cette fête de Tabaski, évidemment, vous ne reconnaissez pas ce décor. Je suis chez ma tante ici au Maroc. C'est une tante éloignée que ma mère connaît. Il paraît que quand j'étais petite, c'est elle qui me tressait. Donc je suis chez elle. La Tabaski dernière aussi, je venais juste d'arriver au Maroc. Donc c'est ici que je l'ai fait. Du coup, on y va pour les petites présentations avant de commencer. Alors là, nous sommes avec la star, mon frère, mon sang. Il me ressemble, mais juste un peu. Il est maigre, il est mince. Tu ris, tu dis quoi? Coucou les gars, comment vous allez? Ça se passe? Bien, et toi, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prépare? C'est la veille de la fête. Et? C'est normal, on est là, avec les copains tous les. Voilà, on attend demain, Inch'Allah, pour passer la fête en famille. Ouais. Profiter, et voilà, c'est ça. Et c'est quoi le programme pour demain? Demain, le matin, c'est à la mosquée, la prière. Après ça, voilà, c'est le mouton. On va l'égorger. Et manger en famille, c'est comme ça. Bon, tu vas cuisiner avant tout, avant qu'on mange. Bien sûr, quand, voilà, il y aura la cuisine, on va griller la viande. Non, c'est ma tante qui cuisine. Et toi aussi, tu seras là, tu vas l'aider. Non, c'est moi qui vais cuisiner puisque je suis là. Et là, on a ma tante, ou bien mes deux tantes. Là, c'est ma tante. C'est elle qui me tressait quand j'étais petite. La voilà toute belle, toute jeune, toute mimi. Tante Mariette, là, elle est là. Nous, au Sénégal. Allô, bye bye. Non, pas bye bye, ça va, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, c'est ma tante Siré. Ça va, ta Siré, ça fait un bail, tu m'appelles pas. Toi, c'est toi qui vas m'appeler. Tu m'as laissé tomber, pourquoi? Non, c'est le boulot, c'est un peu stressant. Et ça se prépare la fête de ton côté? Oui, ça va. T'es toute jolie alors que rien ne se passe encore. Demain, on va faire, on va gâter. Au Maroc, demain, c'est la fête de Tabaski. Ah oui, on va fêter, hein. D'accord, les gars, ça va être un peu bordélique cette vidéo. Mais au moins, j'ai pensé à prendre mon stabilisateur. Du coup, là, je vais me déshabiller, je vais être avec mes tantes, on va discuter. Et puis, je vous reprends demain. Ça va être super. Yup guys, là, c'est le lendemain matin que vous l'aurez deviné, hein? Il fait déjà jour. Alors, ma tête, oh my god, je suis fatiguée. Hier, j'étais au salon en train de regarder un film. Alors, le film, c'était un bon film. À la base, j'allais m'endormir tôt, hein? Mais quand j'ai vu cet acteur charmant de Twilight, l'acteur principal, le garçon là, Edward, je ne sais pas, Edward, dans Twilight, je me suis dit, ah, ça va être un bon film. Et comme je l'aurais deviné, ça a été un bon film. Bref, ensuite, mon frère qui était avec moi, il a dit, toi, ton film, il ne va jamais se terminer, quoi. Moi, je vais aller dormir. Ensuite, il est sorti, il est allé aux toilettes, il est revenu, il m'a trouvé au salon. On est resté là jusqu'à 2h du matin devant la télé. Donc, je suis crevée. J'ai la tête éclatée, vous voyez sûrement. Oh. Du coup, là c'est le jour de la Tabaski. Je me suis réveillée en pleine forme, etc. Avec tout ce qu'on peut dire, c'est beau, c'est magnifique. Et hier j'ai fait une découverte par rapport à la chambre où j'ai dormi, moi et ma tante. J'ai vu qu'au dehors il y a un magnifique jardin. Je vais vous montrer ça. Ensuite on va se mettre immédiatement au préparatif, parce que j'aimerais terminer très vite, le plus rapidement possible, et passer à autre chose pour voir mon pouponner un peu pour sortir. Alors comme je vous l'ai dit, hein,
regarder un beau jardin depuis mon balcon de la chambre où j'ai passé la nuit. Hein. Oh, trop beau. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, je vous reprends vite fait avec mon téléphone hein, pour des questions techniques parce que mon téléphone filme en 4K, la caméra que j'ai, non. Alors voilà, tout ce que j'ai pour les préparations, des fruits, des bananes, des pastèques, la boisson, ouais, ça. Et on a ma tante, la maîtresse de maison. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu vas bien, bien dormi? Oui, bien dormi. T'es toute belle. Merci beaucoup. Toute jeune. Merci. Et là, mon frère avec le mouton. Oui. Avec mon oncle. Attendez, je vais vous montrer ce qu'ils font. Ouais, là. Bonjour, les seigneurs. Bonjour, les seigneurs. Il y a avec qui j'ai passé la nuit. Ça va, toi aussi, t'as bien dormi? Oui, ça va? Ça va. Tranquille? Oui. Au calme? Bien aimé, toi. Oui, ça va. Il y a ma tante qui s'y met aussi pour faire le mouton. Ah, du coup, j'ai un autre frère. Ça va, toi? Ça va bien. Tu vas bien? Oui, bien. Bien dormi? Oui. Ah, ça, c'est un autre diva, comme moi. Frère. Et là, c'est l'original. Le ah. Best. la star. La star qui est offerte. Quand tu vas grandir et que tu auras des milliards, tu auras des archives très beaux. Et là, c'est mon oncle, tonton Aaron. Ça va, toi aussi? Ouais, tu ça vas va, bien? Ouais, ça va. Ça toi va, aussi, tu t'y mets? Ouais, ouais. Là, c'est une grosse bête, hein? Ouais, Bachallah. Avec ma caméra, du coup j'ai mon téléphone avec moi, je fais un meilleur cadrage. Si vous avez peur des oignons, il n'y a pas 36 000 solutions, faites-les d'or, épuisez-les, tracez-les d'or tout simplement, vous serez beaucoup plus tranquille. Il y a ma tante qui me regarde mais qui rit, qui se marre, qui se fout de moi quoi. Et là,
Et là, en cuisine, ça a bien avancé. Hein. La viande a été bien découpée. Il y a la viande pour la grillade, les crudités. On a la viande là. Et moi, ce que je vais préparer pour le repas, oui, pendant le fait, c'est moi qui prépare. Là, j'étais en train de faire un tacos et je me suis dit que j'allais vous prendre. Et il y a mon frère qui travaille à lui tout seul. Ouais, il n'a pas eu besoin d'aide du tout. Il travaille seul, hein, comme un grand. Ouais. Ma tante a fait des jus de carottes, des jus de concombre. On a eu plein de fruits, plein de boissons. En tout cas, c'était la fête au maximum, la musique et tout, et tout, et tout. Là, on a terminé de manger, c'est un peu de calme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter immédiatement de ce temps de calme. Je vais prendre ma douche. Ensuite, je vais m'apprêter très tôt. Comme ça, je vais finir très tôt aussi. Et s'il y a des choses à faire, des choses à rectifier, j'aurai du temps. Sinon, ça ne va pas le faire. Je risque d'avoir un peu de retard. Alors là, on y go pour une bonne douche. Ensuite, on va se maquiller et on va sortir. Il faut savoir que j'ai fini très tôt le repas de ce midi. Je l'ai fini à 13h ou bien à midi. J'avais déjà terminé. Donc voilà, là il n'est que 17h. Ouais. Ok, là-bas, après l'heure. Hey guys, alors finalement, là, j'ai fini de me préparer. Rien de ouf, rien d'extraordinaire. Juste quelques bijoux.
un peu de maquillage et puis on est paré pour sortir. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est soit au resto, soit dans un club, dans une boîte de nuit. Si on ne connaît pas trop les endroits, les boîtes de nuit, moi j'ai juste fréquenté les restos. Donc on va aller repérer quelques endroits au niveau de la corniche. Si on trouve une boîte de nuit qui nous plaît, on y reste. Sinon, ça sera dans un restaurant. Et du coup, on va sortir, c'est super. Je me suis apprêtée très tôt, j'ai fini très tôt et je ne suis même pas fatiguée. Je suis en pleine en forme. Alors les gars, aujourd'hui, ce soir de la Tabaski, on va s'amuser. Du coup, guys, là, nous sommes au niveau de la corniche pour aller au Venezia. Mais là, les gars, c'est plein de ouf. La corniche est remplie de monde. Alors ici, chez Venezia, comme d'habitude, hein, c'est plein. On est là, assis, chez Venezia, en attendant qu'il y ait des places qui se libèrent. Voilà, on a des places. Et mon frère qui se précipite de ouf. Le resto est plein comme pas possible. Je vous raconte même pas. Du coup, guys, on a quitté le ice cream. On est venu dans un resto à côté que j'ai l'habitude de fréquenter en fait. Tout simplement parce que dans le ice cream, on avait la possibilité de prendre des glaces. Mon frère n'avait pas trop envie de ça, donc je lui ai proposé de venir ici. On peut avoir facilement du jus de fruits et des sodas, tout simplement. Du coup, on a juste pris des jus de fruits. Moi, j'ai pris un jus d'orange, bah, comme d'habitude, tout ce qui est acidulé. Et mon frère, il a pris un jus d'avocat. Je ne sais pas si il y a un peu. Il risque d'en avoir plein dans le ventre, alors qu'on a déjà beaucoup mangé. Souris, t'es filmé. Oh, frère. Frère. Mes frères! Mes frères! Frère, t'es filmé! Yop les gars, on se retrouve, on est le lendemain de la Tabaski. Alors là, dès mon réveil, j'ai fait mes bagages et je suis venue chez moi parce que demain je travaille. Et je voulais pouvoir me reposer tranquillement chez moi. À vrai dire, aujourd'hui aussi, je devais travailler. Je me suis arrangée pour ne pas le faire. Voilà, voilà. Alors, la Tabaski, on l'a bien passé en famille, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis sortie avec mon frère que vous avez vu. Et par la suite, des amis à lui nous ont rejoints. Et il y a un de ses amis avec qui j'ai fait connaissance quand je suis arrivée ici au Maroc. Il était aussi de partie, donc c'était vraiment cool, l'ambiance et tout. On avait prévu de passer d'abord par le ice cream, ensuite d'aller dans un nightclub, c'est ce qu'on voulait faire, mais on doutait bien si les nightclubs étaient ouverts, si c'était fermé, on ne savait pas exactement. Donc nous sommes allés dans un restaurant au niveau de la corniche, toujours. Et là, comme je vous l'ai dit tantôt, ses amis nous ont rejoints et il y avait une très bonne ambiance. On s'était bien amusés et tout, c'était les retrouvailles, chose qui arrive rarement ici, avec le boulot et tout. Du coup, j'ai passé une très bonne fête en famille avec ma tante, mon oncle, mon frère. Et c'était le bonheur pour moi. Alors, je souhaite vraiment que ça puisse se passer comme ça toutes les années qui vont venir. Et puis voilà, je vous souhaite, vous aussi, un Eid Moubarak. Bonne fête de Tabaski à mes frères sénégalais. Hein. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement.